Bana Congo. Vivez l'excitation de la CAN au centre culturel Bana Congo. Wow! Centre culturel Bana Congo met à votre disposition un rétro projecteur spécial pour la diffusion de tous les matchs en direct de la Côte d'Ivoire. Wow! Wow! Bana RDC, Bana Congo, Bissonnoso, ma diaspora, et Jali Kambouya Mabele, Tokolanda bon match en direct de la Côte d'Ivoire. Kaka, na centre culturel, Bana Congo. Bana Congo, et ça y a ba Congolais. Congolais, akota la match vivandate, akota la mbouma ya moutopi. Kaka, na centre culturel, Bana Congo. Président de Pa Barassa, le président de la communauté, Bana Congo. De Pa Barassa, alobi, tokota la Coupe d'Afrique, oyo et sa kobeta mana Côte d'Ivoire. Kaka, na centre culturel, Bana Congo. Combat le 13 janvier, ti Coupe d'Afrique est aussi là. Bissonne ce tokota la. Et bongo, na finale de la Coupe d'Afrique, ngai koko sombope, na kobeta. Na kobeta ballon na finale, na kozala numéro 100. Na sima ya poto, yamba kaba passé, yamba kaba ballon, yamba kaba anou, ballon, coup de tête ngidi. Wow! Entrée gratuite et ouverte à tous, sans distinction des races ou nationalités. Ne manquez pas cette opportunité de célébrer le football africain ensemble. C'est ça l'Afrique! Vous rappelle, chers compatriotes, c'est à la rue du Dison, numéro 18, à 4800 Verviers, pour ceux qui ont le GPS, tous les soirs, pour la CAN ou la CAF. Et pour la fête de la prestation de serment du président de la République, ce sera le 20, dans la même salle. Et soyez toujours branchés. Donc une grande fête au centre culturel Bana Congo. Voilà, chers compatriotes. Il y a encore d'autres compatriotes qui vont fêter cette prestation de serment dans une autre salle, toujours à Verviers. On vous fera part de cela, chers compatriotes. Bande konabiso, donc ekozala na adresse wana oyo na tangi na français. Na rue de Dison, numéro 18. Donc, Kozangate. Bon, adresse et Zaliwana Oya GPS. Banabetu, Banangani Basui Bwe, Nibi Kaleko, adresse Ondimuno Ambula ou Momokulu en Falancé. Donc, Bakon Mungomani Bonsu, Badibumwa, Mokulu en Falancé. Ok. Ça suffit. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.